gens, bon bah du coup on est le 13 juillet, je suis désolée je finis jamais les vidéos, mais bon c'est pas grave, hier je me suis promenée, j'ai visité un peu Sigi Sohara, et puis je suis rentrée tranquillement à l'auberge, enfin à l'auberge, la pension, plutôt ça en fait, c'est des maisons qui retapent, dans lesquelles il y a plusieurs chambres et souvent avec des salles de bain partagées, donc c'est vraiment un format maison. Donc voilà, bon du coup aujourd'hui 13 juillet, je suis trop heureuse parce qu'il me reste plus qu'un dodo, et en fait demain soir je mange. Donc j'ai trop hâte. Petite histoire, en fait quand je suis arrivée à l'auberge ici, l'hôte trop gentil proposait de l'eau de vie et des biscuits. Forcément, les biscuits j'en mange pas et de l'eau de vie non merci. Donc bref, je lui ai dit bah écoutez, je veux bien prendre, et puis je me suis dit bah je vais l'emballer, mais il y en avait au chocolat. Bref, et puis hier soir je me suis dit vas-y, je vais les mettre dans ma valise, comme ça c'est fait. Et ils ont disparu. Donc ça veut dire qu'il y a un des autres qui les a piqués. J'étais un peu... Ok, pas cool, mais bon bref. Et ce matin, il est arrivé en disant oui, je suis trop désolée, j'ai pas vu hier, c'était votre anniversaire. Et il m'a redonné plein de biscuits, mais l'avantage c'est que c'est ceux sans chocolat, donc il n'y a pas de risque de fonte. Donc du coup, je les ai dans une petite boîte et puis je les goûterai plus tard. Mais je trouve ça vraiment trop sympa, donc voilà. Bref, là je vais direction Cluj, j'en ai pour 3 heures de route presque. Donc voilà, et par contre, il y a... De la pluie à Cluj, donc je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, c'est plutôt à visiter. C'est une ville qui bouge, c'est une ville assez étudiante. Bon bah pareil que toutes les autres villes que j'ai pu visiter pour l'instant. C'est un peu compliqué quand je mange pas parce qu'on se rend compte qu'en fait tout tourne autour de la bouffe. Se poser, boire un verre, personnellement ça me fait vraiment chier en fait de me poser et boire de l'eau avec des gens qui mangent autour de moi, c'est pas très cool. Dans les rues il y a plein de ventes, alors ici ils vendent beaucoup de maïs dans les rues, du pop-corn, des glaces, c'est pas très cool, donc je vais voir. Parce que si en plus il y a de la pluie, voilà, donc je pense que je vais faire un tour de la ville, mais je vais peut-être pas rester là et je vais peut-être reprendre la route pour le Grand Nord de la Roumanie, limite Moldavie, où je vais aller voir des monastères, un cimetière joyeux aussi apparemment, je n'ai pas trop compris le concept, mais on va voir. Ça me laissera plus de temps aussi à la côte pour profiter, parce que je dois vous avouer que là, les 10 degrés, j'en ai un peu marre. Voilà. Bref, c'est parti. Les gars, je suis bien arrivée à Cluj et je suis passée par Auchan parce que j'ai acheté quelques trucs. J'ai acheté des pêches qui ont déjà un peu morflé, des raisins, des petites tomates. J'ai quand même acheté du pain parce que j'en avais vraiment envie. Jus de légumes et noix de cajou pour plus tard. Pas pour tout de suite, par contre j'ai pris sans sel. Forcément, je le mets dans le coffre parce que c'est juste horrible l'odeur du pain. Il a l'air trop bon. Et donc voilà, bref, je vais en ville et je vous emmène avec moi. Et voilà, je suis arrivée à Sidetu Marmatei, je prononce comme ça. Je voulais vous montrer la chambre, bon, il y a mon bordel bien sûr, mais très folklorique, mais je trouve ça trop mignon. Ah merde, je vais éteindre les lampes moi. Donc voilà, et là dans le fond, j'ai la salle de bain. Hop, et la douche. Et alors surtout, je vais vous montrer la petite vue. Parce que je suis au milieu de nulle part. Je suis à la frontière ukrainienne parce qu'il me semble que je vous avais dit Moldavie, mais non, c'est Ukraine.
Et je suis au milieu de nulle part, j'ai zéro réseau, mais genre zéro. Et voilà. Ma petite vue. C'est pas dégueu. Thank you.